Voilà environ une heure que cette fille me raconte sa vie en détail. Ça doit faire 20 minutes que j'ai décroché et par précaution, je lui lance de temps en temps un petit... C'est pas vrai. Incroyable, hein? De toute façon, je sais déjà ce que je vais écrire. On me raconte ça et moi, je le transforme en ça. Aujourd'hui, je m'attaque à la biographie d'un footballeur. Je me demandais s'il n'y avait pas moyen d'écrire le bouquin un peu le style de... Baudelaire. Sauf que moi, j'aurais pas utilisé les mêmes mots. Je n'y arrive pas. Je me suis dit qu'on pourrait appeler ça... droit au but. T'embrasse les pieds, mais je te demande de donner ce boulot à quelqu'un d'autre. Pense à ton chèque. Et c'est là que le destin s'en mêle. La fiancée du footballeur et la fille dont j'étais amoureux à la fac. Malheureusement, les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. T'es malade! Je suis désolé, je crois que j'aurais réagi pareil à ta place. Non, mais de toute façon, ils sont sans pitié aujourd'hui. Lui, c'est mon copain Jeff, photographe jusqu'au bout des doigts. Une peau qu'accroche la lumière, c'est dingue. J'ai pas eu de révélation comme ça depuis les premières séances avec Laetitia Casta. T'as fait des photos avec elle? J'étais très copain avec le mec qui était copain avec l'assistante. Enfin, bon, bref, t'as une peau superbe. J'ai 32 ans, je suis responsable de la DRH. Et lui, c'est Max, toujours à la recherche du grand amour. Et je ne pratique pas la fellation. C'est abominable. Bah non, c'est pragmatique, on gagne du temps. Excusez-moi, mais pour la fellation, c'est définitif. Bonsoir. Mais mon vrai problème dans la vie, c'est de choisir entre Muriel... Tu fais quoi, là? Mais non, je pense... Et Claire. D'ailleurs, comment vous êtes rencontrés tous les deux? Rien, hein. C'est vrai, ça? Tu lui as pas raconté? Ah, j'aimerais aussi vous parler d'une chose, du charme de la forêt, des sangliers... Et de l'incroyable dangerosité de ce métier. Toi, au but, tu te rappelles? Mais allez plutôt voir le film, vous comprendrez de quoi je parle. Ah, je crois qu'il est temps que je lance un petit... C'est pas vrai. Incroyable, hein?